Hey, coucou tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vais vous montrer mes cadeaux de Noël que j'ai eu à la Noël forcément. Alors aussi tout d'abord je voulais m'excuser pour le retard que j'ai pris parce que Noël c'est déjà il y a au moins une ou deux semaines déjà. Donc en fait j'en avais fait une mais ça avait complètement bugué. J'arrivais pas moi à la visionner, même vous. J'avais plein d'amis qui me disaient j'arrive pas à visionner celle-ci, donc du coup j'ai dû la refaire. Et j'ai eu le temps qu'aujourd'hui, donc je vous la fais tout simplement aujourd'hui. On va pouvoir commencer, c'est parti. Alors, tout d'abord, je vais commencer. J'ai eu des chevaux, des accessoires, des sets. Donc, je vais commencer par tout ce qui est accessoires. Donc, en premier, j'ai eu un petit... un kit avec des affaires de concours où j'ai eu un trophée qui est comme ceci avec une tête de cheval. Donc, un trophée. J'ai eu un petit bouquet de fleurs comme ceci. Bien sûr les médailles, donc on a bronze, argent et or. Donc je vais vous montrer. Je mets bien sur mon doigt. Donc on a bronze, argent et or. Ensuite j'ai eu un kit avec une selle de concours qui est comme ceci, donc avec le tapis rose, la selle marron avec la sangle bavette qui est comme ceci. Donc voilà, avec le filet qui est là, donc il est comme ceci. Avec marron quoi, tout simple. Ensuite j'ai eu une couverture donc rose pour aller avec la selle, donc rose comme ça elle est vraiment bien parce qu'elle est assez douce et tout, donc comme ceci, avec le licol. Mais vu que le licol il est dans ma grosse pile de licol, je vais pas chercher pour tout démolir et tout. Donc voilà, vous savez ce que c'est qu'un licol quand même. Ensuite, je vais passer à tout ce qui est set. Mes parents ont commandé vraiment des anciens sets sur le Bon Coin. Donc je remercie le monsieur qui me les a vendus. J'en ai eu 4 et ensuite ma mère a commandé un set que je voulais absolument sur Amazon. Donc je vais commencer par celui-ci. Donc c'est le set de randonnée avec la cavalière de randonnée qui est comme ceci, avec un petit dessin dans le dos de fer à cheval avec une tête de cheval. Je sais pas si on voit bien. Est-ce qu'on voit bien? Non. Avec le même dessin ici. On voit sur son t-shirt, avec elle a des gants et des baskets comme ceci. Elle est vraiment super jolie avec avec sa petite couette, sa queue de cheval quoi. Franchement je la trouve vraiment super sympa vu que c'est un set pour poney et que j'ai pas encore eu de set pour poney. Donc on a le filet donc forcément pour poney et la selle qui est comme ceci. Elle est vraiment super mimi la selle parce qu'elle est vraiment vraiment bien faite, parce qu'on a même la petite tasse avec le trou, tout ça. Elle est vraiment super super bien. Donc pour les poneys, vu que j'avais pas encore d'équipement pour poney. Ensuite dedans il y avait la couverture pour poney. Donc par contre la couverture, enfin ça va pas vraiment à tous les poneys, genre les fjords et la jument islandaise, tout ça. Enfin c'est les deux que j'ai, mais enfin ça va pas, c'est vraiment plus poney Shetland quoi. En gros c'est un peu ça.
donc c'est vraiment super bien. Ensuite, je vais passer à tous les sets que mes parents ont commandé sur le Bon Coin. Donc, j'ai eu 4 sets. Donc, le set de dressage, le set western, le set de saut d'obstacle gris et le set de voltige. Donc, je vais commencer par le set de western. Donc, on a bien sûr le cavalier qui est comme ceci. Avec ses petits éperons, tout ça, son chapeau, la dorure sur la ceinture. Oups. Donc voilà, il est comme ceci. Avec, on a la selle. Avec les deux petites sangles, ça je trouve que ça fait vraiment super western. Et ensuite on a le filet qui est vraiment bien parce que en fait les rênes sont tout simplement super longues et ça fait vraiment, je trouve, vraiment vraiment western. Par contre, le fait qu'il y ait une muserolle ou un frontal, ça je trouve pas vraiment que ça fait western, mais parce que le plus souvent il n'y en a pas. Donc voilà, c'est vraiment un filet tout simple. On va dire, c'est juste que les rênes sont un peu plus longues. Ah oui, j'ai oublié de préciser, avec tous les sets, j'ai pas forcément eu j'ai pas forcément eu les couvertures parce que ceux qui les a vendus à mes parents, ils les avaient plus. Enfin, en tout cas, moi je les ai pas eu en ouvrant mes paquets, donc c'est que la personne qui les a vendus les avait pas ou les avait gardés. Donc je vais vous montrer le set de dressage. Et comme ceci, donc on a la cavalière. Hop. Et comme ceci, aussi je vais pas vous dire les prénoms. Parce que je vais pas perdre mon temps à vous dire tous les prénoms, surtout que j'en ai pas encore forcément trouvé pour tout le monde. Si vous voulez savoir des prénoms, vous me dites en commentaire. Et en précisant lequel, donc vous dites la cavalière du set de dressage, la cavalière voltigeuse, je sais pas, la monitrice qui longe, enfin plein de trucs comme ça. Ensuite, donc on a la selle de dressage qui est comme ceci, c'est vraiment super sympa avec le petit logo Schlech ici, c'est vraiment super sympa, moi j'aime bien. On a le filet de dressage avec le petit frontal avec du blanc comme ceci et les rênes allemandes. Donc vraiment ça fait super bien dressage quoi. Ça se voit vraiment que c'est un filet de dressage quoi. Ensuite j'ai le set de saut d'obstacle gris avec la cavalière. Qui est comme ceci. Elle est vraiment super bien. Avec, donc elle est brune avec sa petite bonde. Avec sa bonde, pardon. A chaque fois je fais l'erreur. Il saoule. Parce que ma langue elle dérape, donc en fait je dis bonde de bombe. Donc c'est un peu casse-pied quoi. Donc je dis bien une bombe. On a la selle. Et comme ceci, donc une selle avec un tapis gris, donc toute simple en gros. On a le filet qui est aussi tout simple, comme ceci, avec les petites boucles argentées. Donc on a les petites boucles argentées un petit peu partout. Donc il est comme ceci. J'ai eu les guêtres, donc ils sont ici, avec aussi les petites attaches argentées. Hop. Voilà. Et là enfin j'ai eu la couverture qui allait avec, et c'est une couverture mais que je voulais depuis toujours, depuis que j'ai commencé les Schlech, parce que je la trouve vraiment trop belle, qui est celle-ci. Je la trouve super mignonne et tout, donc voilà, c'est celle-ci. Ensuite, on va passer au set de dressage. Donc, dans le set de dressage,
il y a la monitrice qui est comme ceci. Il est super sympa. Hop, avec sa petite bouille. Elle fait vraiment monitrice en fait. Elle est assez jolie. On a la voltigeuse. Chaque fois elle me glisse des mains parce que ben on dirait qu'elle est contorsionniste et vraiment elle a une position bizarre. Donc elle est comme ceci. Ensuite on a le tapis de voltige avec le filet. Hop. Et toujours le petit logo Schlesch. Donc c'est comme ceci. Hop, avec le filet. La sangle et les petites poignées. Donc voilà. Et on a une chambrière qui est comme ceci avec le fil. Donc elle est assez longue, elle est vraiment bien. Et ben voilà, on va passer aux chevaux. Donc la dernière chose que j'ai eue. Donc je vais commencer par le poulain et ensuite les chevaux. Donc en poulain, j'ai eu le poulain Tinker. Donc là c'est pareil, si vous voulez savoir les noms, ben, vous me demandez en commentaire. Donc ben, la race du cheval. Donc le poulain Tinker. J'ai eu l'étalon frison. Ok. Comme ceci, il est vraiment beau parce que j'adore sa crinière et tout. Avec son toupet qui est vraiment trop beau. Avec sa queue qui vient jusqu'au sol. Donc il est comme ceci. Et ensuite, j'ai eu 4 chevaux avec les 7 qui étaient sur le bon coin. Donc j'ai re-eu la jument Hanovre. Bon, après je pense que je vais faire des customs ou les vendre, enfin pour me faire un petit peu d'argent. Enfin, faut vraiment encore que je joue avec mes parents, c'est vraiment pas sûr que j'en fasse des customs et que je les vends ou que je les garde. Faut vraiment que je joue avec mes parents. Donc là j'ai mon or. Ensuite, j'ai les talons Pinto. Et comme ceci. Vraiment super mignon, donc lui pareil, je pense que je vais faire un custom. Enfin, je vais peut-être le faire avec tous les customs, ça dépend. Ensuite du la jument Hanovre, mais celle-ci c'est l'ancienne de 2005, donc avec les bandes et les pions sur la crinière. Et vraiment super sympa pour une ancienne. Donc là, celle-là, elle est vraiment en super super bon état pour une 2005. Je trouve qu'elle est vraiment en bon état. C'est super bien. Et ensuite, j'ai re-eu les talons Tennessee Walker, mais en une autre couleur, parce que avant, je l'avais comme ceci. Donc ben lui, il est un petit peu... On va pas dire en mauvais état, mais il y en a un petit peu de peinture qui est partie pour les balsanes. Donc je pense que je vais aussi faire un custom. Donc pareil, il faut encore vraiment que je vois. Et donc voilà, c'est fini. J'ai tout montré les cadeaux. Enfin après j'ai eu d'autres cadeaux. Voilà, j'ai eu beaucoup d'autres cadeaux. Mais là c'est vraiment juste les Schlesch que je montre. Donc n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Et bah, je vous dis bye bye et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Au revoir.